Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Pokémon version Steam. Et la dernière fois, nous avions commencé un peu à galérer, puisque nous avions atteint la 7ème arène du jeu, qui, je le rappelle, était à Sandstone, hein. Mais le 7ème combat d'arène s'est avéré beaucoup plus compliqué que tous ceux qu'on a eu jusque là, puisque nous avons connu notre première défaite, mais là disons que j'ai pas extrêmement bien joué dans le sens où je l'ai fait un peu en mode amusement à la cool, mais au final je me suis aperçu que le jeu commençait à être un peu difficile. En plus, ma team était pas vraiment au niveau par rapport au champion, elle était un peu en dessous de niveau, donc du coup j'ai galéré, j'ai perdu. Je me suis rattrapé la fois d'après, même si le Axe a un peu joué aussi, on va pas se mentir. Mais on a remporté notre badge, donc on a 7 badges, il n'en reste qu'un seul et unique qui se trouve à Tazla. Donc pour le 8ème combat d'arène et surtout pour la Ligue Pokémon, il faudra être beaucoup plus concentré et je vais commencer à beaucoup plus réfléchir sur mes stratégies en combat, parce que sinon ce ne serait pas à la hauteur de ce que j'aime dans Pokémon et de ma manière de jouer à Pokémon de base. Donc il va falloir bien rester concentré, parce que là on attaque les choses sérieuses avec cette dernière arène qui nous attend à Tazla. Donc il faut juste retrouver où elle se trouve. Par contre, je crois qu'on m'avait donné une sorte d'itinéraire. C'est à l'ouest d'Averut qu'il fallait retourner. Donc, alors, on va à Averut. Et oui, le Alakazam peut nous téléporter. Et donc, on va aller ici. Avec un premier combat. Gravalanche. Explosion dans la gueule. Ah, il va tous le faire, hein. Oh, il y a des restes. Bolus. Allez, on va mettre Brésil. Un golem. Je pense que je devrais avoir mes chances avec Cascade. Métang. Oh, une cité. En bas. C'est un combat de boss, ça. 99 éclats magiques, tiens.
On peut pas passer par là. Nous voici à Tazla. Enfin. Oh, elle est sympa la musique. Oh la vache, c'est quoi ça? C'est ça la reine? Château du président Zash et arène de Tazla. Ah ouais. C'était 97 vivre obscur. On peut apprendre vivre obscur à Serlinou. Le cadeau, c'était un rappel. Tiens, qu'est-ce qu'on a dans le shop? Rayon des objets utiles. Rayon des objets stratégiques, tiens. Peau métal, sabre doux. Les restes, tiens. L'orbe vie. La ceinture force, la boue noire, au cas où, hein. L'évolu rock, casque brut, la veste de combat, oh, le bandeau choix. Le mouchoir choix. Oh, c'est cher. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe au prix. Alors, les CT. Piétisol, direct toxique. Déflagration. Il y a que ça comme CD?
Alors déjà, l'Evoluroc pour Serbino. C'est le seul Pokémon qui a pas évolué. La veste de combat à Buzzy. Le casque brut. Le casque brut, ça peut être bien pour Arthur. Quoique les restes, c'est bien. On les a pas les restes. Bandeau choix pour Manu. L'orbe vie pour Timette. La ceinture force pour Brézou. Donc est réuni là. Mes très chers citoyens, je suis Zache, votre président. Comme vous le savez, notre région est, est en grand danger. Oui, bande de criminels est en train de semer la terreur dans notre belle région. Heureusement, l'incident à l'usine de Pokéball n'a provoqué aucun blessé. Je vous garantis que tout est mis en œuvre pour les arrêter. Et ne s'éteint pas de vulgaires criminels. La première mesure sera d'enfermer tous les prisonniers dans la prison de haute sécurité de la ville. On a eu de les faire parler. Ça fait traître. Alors est-ce qu'il faut aller, il faut passer par où? On va faire un combat d'échauffement. Cisaiox. Bout de feu, ça donne envie, hein. Mais ça peut faire extrêmement mal, hein. Magie rêve.
C'est créer un personnage à son nom. Et 04 plénitude. Si bien. Ah oui, ils nous ont pas cru. Il sait beaucoup de choses, mais mine de rien, il nous a aidés. Quatre téléporteurs. On va voir ce que ça mène. Allez, cascade sur des molosses. Des molosses encore. Encore ça. Allô. Oui, tenez là. Corbos. Oh là là.
Ah, non. Déjà, j'y ai cru. Alors, on y est presque, on y est presque. C'est bon. Oh. Alors, ici. Allez, à nous. Finalement, ça fait zéro, hein. Ça fait pas tellement plus mal, hein. Alors que donc c'est assez bulky. Hop, on va. On va se faire le tour. Hop, au revoir. Ah non! Merde! Oh putain! Bon, cette fois-ci. Voilà, si je fais tonnerre sur notre enfer, c'est bon. On a gagné. Il reste trois boutons à activer. C'est ce que j'avais cru comprendre. La Team Rocket. Ah, t'attaques.
Sferalto. Ah bah on va pouvoir utiliser un super vent sur Sarmino. Mégaphone. Et voici donc Trioxydre, une bonne fois pour toutes. Voilà, notre team est complètement évolué, donc il a plus besoin de l'évolue rock. C'est gagné. Allez, il en reste deux. On va prendre celui-ci. Je pense que c'est... Ouais, c'est Team Magma et Team Aqua encore.
Vous m'avez XP en même temps. Ah, du premier coup. Voilà, affronter à son tour. Allez, on va taper le monstre enfer. On va taper le raccourci. Ah, j'ai l'âme de roc. Rip. On va dégager le camérupt. Il y a le goudon à la fin. Hein. Ah non! Je pensais qu'il allait ressortir Groudon. Qu'à cela ne tienne, hein. Voilà. Bon. C'est une victoire sans conséquence. C'est une victoire large. Hop. Avec le condom et à quoi? Oh non! Putain, le contentement, vieux pute quoi! Contentement Cranovac qui fait 2 dégâts! Allez, on envoie le boot, tout ça. C'est un peu casse-cou d'affronter les mêmes teams en permanence, hein, par contre. Oh putain, c'est chiant ça.
Merde! Waouh! Oh putain! Saleté d'axe. Oh, putain. Mais ça a 100% de précision, séisme. Ah, t'as... C'est quoi ce axe de con de merde? Putain, Lilliput de merde, quoi. Oh, j'ai pas désempoisonné mon paquet. Allez, à nous. Il spamme les lames de roc. Il aura tapé l'hyperroi. Ah bon. On gagne. Ça va, le combat était pas dur. Oui, on va pouvoir accéder le bouton. Ce qui met fin à cette vidéo, du coup, pour l'instant. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et la prochaine fois on découvrira ce qui se cache derrière tout ça et affronteront du coup les chefs de cette organisation. Merci beaucoup et à très vite.